Au début, il n'y avait rien. Enfin, si, une énorme volonté de développer le VTT. Alors, des passionnés se sont réunis. Le gars de l'échelle a rassemblé ses copains. Ils ont ramené avec eux le gars des barrières. Et puis ensemble, ils ont réussi également à convaincre le gars du tracteur pour réaliser ce qui est aujourd'hui la fierté du club. Je vous laisse juge. Une mission impossible dont seuls des bétonnés pouvaient s'affranchir. Béthon est désormais une des seules villes de l'Ouest à posséder un terrain d'entraînement de VTT au cœur de la ville, agrémenté d'un local municipal avec toutes les commodités, dont un point d'eau et une salle de réunion. C'est ainsi que tous les samedis, une partie de la centaine de licenciés se retrouve au terrain pour y pratiquer chacun leur discipline favorite, que cela soit du cross-country, du trial ou de la descente. Sous l'œil vigilant et expert de nos entraîneurs diplômés, vivement encouragés par notre président qui ne ménage jamais ses efforts. La qualité du terrain permet aux enfants de s'entraîner dans un cadre exigeant dont les reliefs ne sont pas sans rappeler certains paysages exotiques. On s'y croirait, non? Les trialistes enchaînent les obstacles artificiels. Leur modularité sur leur terrain leur permet d'innombrables variations. Le trial est une discipline qui se juge sur la capacité d'un coureur à enchaîner un parcours sans poser un seul pied à terre, qui sont sinon autant de pénalités. Les obstacles peuvent être naturels ou artificiels. Ces activités conduisent naturellement vers la compétition et la première que le club organise chaque année est une épreuve de la Coupe de Bretagne qui se tient sur la montagne de Saint-Germain-sur-Isle. Tous les bénévoles s'activent à nouveau et le gars à l'échelle et celui des barrières activent leur équipe et installent un vrai village aux couleurs de béton où chacun tient sa place. La surveillante, chargée de surveiller l'équipe qui enregistre les inscriptions, et celui qui fait semblant de faire celui qui touche en informatique. Une importante logistique est donc nécessaire pour accueillir une foule nombreuse venue assister à cette compétition. Les départs peuvent être donnés et près de 15 catégories différentes vont s'affronter sur un circuit dont la durée de course oscille de 2 heures pour les seniors jusqu'à 15 minutes pour les poussins âgés de 7 et 8 ans que vous voyez là au départ. De nombreux bénévoles participent au pointage des coureurs et vous pouvez constater que cette très sympathique section a du mal à se faire oublier de ses anciens membres puisque ceux-ci n'hésitent pas à revenir de loin pour participer à l'encadrement de l'épreuve mais également aux courses. Des épreuves de trial ont lieu sous l'œil critique du responsable trial. D'autres exercent leur talent en descente, discipline qui consiste à effectuer un parcours généralement descendant et accidenté, mais tout seul, sous l'arbitrage du chronomètre. Le nombre de nos licenciés et la valeur des coureurs font que le club est toujours bien représenté sur le podium. Cela lui vaut chaque année, depuis plusieurs années, de figurer sur le podium du palmarès breton des clubs de VTT. Une émotion bien compréhensible de nos responsables face à cette avalanche de titres départementaux et régionaux. Chers amis, bonjour! Nous sommes à Béthon, petite bourgade d'Ille-et-Vilaine, où certains membres du renommé club de VTT arborent fièrement les trois lettres RDS sur leur cuissard. Savez-vous seulement ce que cela signifie? Ah ça, certainement pas. Quant à cela, je ne m'avancerai pas. Il s'agit en fait du cri de ralliement des randonneurs du samedi
qui est un groupe de cyclistes qui arpentent tous les samedis après-midi les chemins et forêts voisines sous la houlette de Didier. Tout bétonné, qui souhaite s'aérer dans la bonne humeur, est invité à les rejoindre, sachant qu'ils organisent en plus une randonnée plus lointaine chaque année. Bref, vous l'avez compris, le VCSB est une branche dynamique et sympathique du CSB, et si j'avais le temps, je vous parlerai de toutes les autres manifestations auxquelles ils participent. Toutes nos excuses à ceux qui n'auront pas été cités. Nous engageons tous les bétonnés qu'ils souhaitent à venir nous rejoindre et bonne fin de soirée à tous. Devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Et moi je n'ai rien que ma pauvre guitare. Je pense à toi, mon amour à bien-aimé. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour à bien-aimé. Ne m'abandonne pas.